Eh bien, salut tout le monde, c'est Augustus pour une nouvelle vidéo, le premier glitch de la chaîne, si on peut appeler ça comme ça. J'espère que ça vous plaira, c'est un glitch qu'on voit jamais. J'ai pas regardé sur YouTube si les gens l'avaient fait, mais je pense pas, j'étais jamais tombé dessus. En fait, c'est une idée qui m'est venue il y a 2-3 jours. J'ai testé ça, et j'ai vu que ça marchait, hein. Du coup, je vous le propose. Si ça peut vous intéresser, alors pour ce glitch, vous le faites en ligne dans n'importe quel mode de jeu. Hein. Faites ce que vous voulez en draft. En draft, j'ai pas testé, mais ça marchera. Là, je le fais en saison. Je suis en div 6, j'étais descendu en 10 pour remonter tranquille. Vous regardez bien mes points. Enfin, mon bilan, 5 victoires, 1 nul, 0 défaite. Je le fais depuis un ou deux jours, cette astuce, mais je le fais pas à tous les matchs. Hein. Et en plus, je joue pas trop en ce moment. Le glitch, en fait, vous faites rage quit l'adversaire. Et vous avez pas la défaite si vous perdez. Si vous faites match nul, vous avez pas un point. En fait, vous avez pas de points. Vous avez. Le match compte pas, en fait. C'est une astuce. Utile. Si vous manque par exemple 3 points et qu'il vous reste un match. Vous pouvez le faire, même si vous perdez 3-4-0, ben faites ça, hein. Comme ça le mec en face n'aura pas forcément la victoire. Vous avez pas la défaite en tout cas. Après, l'adversaire a pas forcément la défaite aussi, mais en tout cas vous perdez pas. Ça c'est très utile, et je vais vous montrer dans ce match là. On tombe contre Ultimate Team, vous voyez bien, hein, c'est pas en solo, c'est en ligne. Et là, on va se prendre un but dès le début. Et vous voyez, à la 11e minute de jeu, ouais, 11e minute de jeu, on se prend un but. Et là, je vais vous montrer le petit glitch. En fait, le truc, c'est qu'il faut aller sur YouTube. Moi, je joue sur l'ordi en même temps, du coup, c'est pour ça que... Il y a la souris en bas et tout. Voilà, moi je joue sur le PC en même temps, mais je suis sur Xbox One, hein, vous inquiétez pas. Et voilà, j'ai mis une vidéo en ligne. Voilà, il y a encore la souris en bas. J'ai mis une vidéo en ligne et là, vous allez voir la connexion. Elle va tout faire péter. Là, le match, il va laguer à mort. Les joueurs, ils avancent quasiment plus. Vous allez voir, c'est assez horrible. Mais bon, ça va pas m'empêcher de marquer. Hein. Enfin, à la base, je voulais pas forcément marquer. Je voulais vous montrer comme ça, sans marquer. Mais bon, la connexion était tellement dégueulasse qu'au final, bah, j'ai marqué quand même. Et là, vous allez voir. Regardez bien. Il y a 1-1. Il y a 1-1 là. Et là, vous voyez le petit cercle là. Et là, ça dit, bah, tout est fini pour lui. Il est KO. Sa connexion n'a pas supporté. Et ben du coup ça va le dégager du match, hein. C'est pas une astuce très cool. Vous allez vous faire insulter, hein. Je l'ai fait au match précédent, je perdais 1-0, je l'ai fait. C'était un anglais, il a pas forcément apprécié, commencé à dire hack et tout ça. Après, je sais pas si ça va marcher pour vous. En tout cas pour moi ça marche. À chaque fois que j'ai testé cette technique, bah, le match il s'est arrêté. Une seule fois c'est moi qui ai eu la déconnexion, mais sinon la plupart du temps c'est tout le temps l'adversaire. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'était un petit glitch sympathique et assez cheaté. C'était Augustus, ciao tout le monde.